leaders ivoiriens. Luttons tous contre cette pandémie qu'on appelle le coronavirus. Cette maladie qui fait des ravages en ce moment dans notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Écoutez les conseils du Tchamba national, le Tchamba d'Afrique et le père de la jeunesse ivoirienne, Papa Amadou Soumaoro. Mes chers sœurs, mes chers frères et chers jeunes, je suis Amadou Soumaoro et face à ce péril planétaire du Covid-19, j'ai décidé de m'adresser à vous, jeunes de Côte d'Ivoire, afin de vous sensibiliser sur le coronavirus. L'heure est grave, mais ne paniquez pas. Il suffit de prendre très au sérieux cette pandémie. Comme l'a déjà relevé avant moi, Son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, il faut que nous soyons disciplinés et que nous fassions preuve, plus que jamais, de responsabilité et de solidarité. Corona et Corona, virus, Corona et Corona. Les enfants des dans la poignée connaissent pas ça ici. Confinement. Bon, prenez position doucement. Corona, corona doucement. Doucement. Corona doucement. Mais qu'est-ce que tu veux, man? Corona. À mon beau pays. Virus. La Côte d'Ivoire. Le pays des enfants des dans la poignée, man. Qu'est-ce que tu veux, man? Corona. À mon beau pays. Virus. La Côte d'Ivoire. Le pays. A cause de ça, nos enfants vont plus à l'école. A cause de ça, nos parents vont plus au travail. J'ai mal au cœur, j'ai mal au cœur. Quand j'entends mes frères qui disent que ça, tu es pas africain. Oh mon Dieu, aie pitié de tes enfants d'Afrique, surtout ta Côte d'Ivoire, à la Samarique. Akisi bana juguni ma doucement, corona doucement, pas touche à mon pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire. Doucement, doucement, corona doucement, pas touche à mon pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire. Position doucement. Ivoirien, ivoirienne, si un jour tu veux retrouver ton boulot, si un jour tu veux voir tes enfants aller à l'école, tu veux te promener librement dans ton pays, il y a des mesures à respecter. Écoutons ensemble le Tchamba national, le Tchamba d'Afrique, Papa Amadou Soumaoro. Voici mes recommandations. Respectant ainsi les injonctions du corps médical, que je salue avec respect pour tout le travail abattu. 1. Lavez-vous plusieurs fois par jour les mains avec de l'eau et du savon ou avec une solution hydroalcoolique. 2. Ne vous serrez plus les mains, encore moins vous faire à tout ou vous faire des accolades. 3. Protégez-vous toujours avec un masque. 4. Mettez au moins 1 mètre de distance entre vous et les autres.
5, tousser dans le creux du coude. Que Dieu protège et bénisse notre pays. Je vous remercie. Combat national.